Je parle de la situation qui a été celle des intellectuels, on va utiliser ce terme générique, musulmans, lorsqu'ils se sont trouvés face à la tradition philosophique grecque. Le monde de l'islam avait rencontré un certain nombre de problèmes, de questions philosophiques et théologiques. Le libre arbitre était une question théologique qui était très débattue par les savants. Puisque sur ce chapitre-là, vous pouvez avoir une lecture du Coran qui insiste sur les versets qui semblent indiquer que l'être humain n'a aucune initiative propre, tout ayant été prédéterminé et décidé par Dieu. Et vous pouvez avoir aussi une lecture qui mettra davantage l'accent sur des versets qui, au contraire, insistent sur la responsabilité humaine. Comment décidez-vous? Vous ne choisissez cela, je laisse tomber cela, etc. Et donc, il vous faut engager le débat philosophique. Voilà un exemple de problème qui était à la fois un problème interne et un problème qui pouvait s'éclairer de ce qui s'était dit dans une tradition différente. Alors, deux attitudes étaient possibles. Une attitude de fermeture qui consistait à dire « Nous sommes la religion de la dernière révélation abrahamique, nous avons le Coran qui nous suffit et nous avons les sciences nées du Coran. À ce moment-là, nous n'avons pas besoin de nous intéresser à ces connaissances étrangères, ces connaissances du monde grec, puisque ce monde-là n'avait pas la révélation et était un monde sans le Dieu unique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Ou alors, vous pouviez avoir une attitude d'ouverture qui consistait à dire « D'autres humains que nous, les Grecs, ont pensé quelque chose qu'ils ont appelé l'amour de la philosophie et ces connaissances-là peuvent nous enseigner quelque chose à nous et peuvent nous enseigner même quelque chose à nous à propos de la signification de notre propre révélation. Donc, peuvent nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, sur qui nous sommes et sur notre propre manière de penser. Et il est heureux que ça soit cette attitude-là, cette deuxième attitude d'ouverture qui ait triomphé. D'ailleurs, il faut se souvenir que quand je dis philosophie grecque, ce n'était pas seulement la spéculation, c'était également les mathématiques, c'était l'astronomie, c'était la médecine. Donc, quand on disait philosophie, c'était l'ensemble de toutes ces sciences qui se sont avérées des sciences extrêmement utiles au monde musulman. Et donc, la leçon générale que j'en tire, c'était pas simplement de décrire des situations philosophiques, mais c'était d'en tirer la leçon générale selon laquelle la philosophie est questionnement, la philosophie est rencontre, et c'est en cela que la philosophie est chose utile. Ce n'est pas quelque chose qui va contre la religion, c'est quelque chose simplement qui organise la rencontre de la religion avec le questionnement humain, et c'est une manière d'approfondir la signification aussi de cette religion-là. Bache una gona que chosa holo Ewe mwanam se wa dunia Azizo fanangi zo tayari Ima ima ye tirie mama ye Tito e gorini utafie zaki. Vous savez, le point aveugle, et Lewis Gordon a raison de ce point de vue-là, de dire que si on regarde le champ défini aujourd'hui comme Africana philosophie, c'est-à-dire la philosophie africaine et africaine-américaine, tout cela pris ensemble, l'anthropologie a une dimension essentielle
Le philosophe Kant dit que les grandes questions philosophiques se ramènent à ces questions suivantes. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Dit-il. Et que m'est-il permis d'espérer? Et il disait aussi la quatrième grande question à laquelle, au fond, toutes les autres questions se ramènent, c'est qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Eh bien, la question de l'anthropologie philosophique est très importante pour la philosophie dite africana, parce que quand on prend cette question « qu'est-ce que l'homme ?», on se rend compte que, que pour cette question « qu'est-ce que l'homme ?», c'est justement l'homme africain qui a été pendant très longtemps le point aveugle, si je puis dire. Est-ce que l'homme africain était un homme comme les autres? Quand on voit les horreurs, par exemple, que Kant pouvait dire sur les Africains, on se dit, mais les formulations sublimes de Kant, quand il dit « qu'est-ce que l'homme ?», est-ce qu'il a dans sa tête en vue l'homme africain aussi? Est-ce qu'il parle aussi de l'homme africain? Voilà une des raisons, par exemple, sur un exemple comme celui-là, pour lesquelles la question de l'anthropologie est une question qui peut être définie très généralement, comme cette question, précisément la discipline qui pose la question qu'est-ce que l'homme, cette question de l'anthropologie est une question très, très importante. Donc je suis d'accord avec Lewis-Gordon pour dire que les choses s'articuleront autour de ces grandes directions, qui encore une fois ne sont pas des directions spécifiques. Il ne s'agit pas d'essayer de s'enfermer particulièrement dans quelque chose qui serait une spécificité africaine ou une spécificité des afro-descendants, etc. Parce que la question « qu'est-ce que l'homme ?», c'est la question de l'humanité dans son ensemble, dans sa totalité. C'est la question de notre propre condition humaine. Mais de dire que dans cette question universelle, il faut s'assurer qu'est inscrite aussi la question de l'humanité africaine, parce que cette humanité africaine a été niée pendant longtemps. Donc, voilà, ça visait que les questions sont universelles, mais également être sûr que cet universel est un vrai universel, qu'il s'agit pour nous d'aller vers un universalisme véritable, pour parler comme Wallerstein. Est sur la table, et par exemple ce qui se passe, donc il y a cette brutalité policière, cette idée que les polices dans des univers très différents, d'ailleurs il n'y a pas que le monde américain, les polices sont un petit peu formées à penser que leur travail consiste à policer la société contre ce qu'ils estiment être les classes dangereuses. Donc à protéger au fond les possédants contre ceux qui seraient les classes défavorisées et donc naturellement dangereuses. Ça donne une sorte d'inclination naturelle vers une sorte de suspicion immédiate que celui qui est chargé de policer la société va avoir vis-à-vis de celui qui pour lui est la représentation même celui contre qui il faut défendre la société. Donc ce qu'on appelle ici le racial profiling, le fait de voir dans l'autre racial immédiatement la personne contre qui il faut défendre la société, malheureusement c'est très profondément inscrit dans la philosophie même de ce que c'est que policer la société, et ça donne les catastrophes que nous voyons aujourd'hui où les Noirs ont le sentiment, effectivement, que la violence policière s'exerce de manière quotidienne et sans raison contre eux, d'où le mouvement Black Lives Matter, etc. Et
il y a cet aspect des choses. Et puisque nous parlons aussi des États-Unis et des universités américaines, puisque nous sommes dans une université américaine, il y a aujourd'hui ce mouvement dans les universités de protestation venant des étudiants contre ce qu'ils estiment être une sorte de racisme structurel, un racisme qui serait inscrit dans les structures même. Il n'y a, vous pouvez avoir un racisme sans raciste. D'une certaine façon, puisque le racisme sera non pas simplement une action ou une réaction d'agents particuliers, mais quelque chose qui s'ouvre de l'organisation structurelle même des choses. Les étudiants qui demandent par exemple que soient débaptisés certains buildings, certaines institutions qui portent des noms. De gens qui ont eu des rôles importants dans la mise en place d'une société raciste, etc. Tout cela relève d'une même philosophie qui consiste à reconnaître un racisme structurel et à dire que nous ne serons pas dans une société post-raciale tant que sur ce plan structurel, le racisme existe encore. Maintenant, il faut également reconnaître que les choses ont beaucoup progressé. Les droits civiques ont existé, des droits ont été conquis. Il y a encore du chemin à faire, mais du chemin a été fait. Et une fois que l'on a constaté cela, il faut froidement, rationnellement, regarder ce qui reste à faire et travailler à faire advenir véritablement une société où les êtres humains seront jugés sur leur personnalité, leur caractère, comme disait Martin Luther King, et non pas pour la couleur de leur peau. C'est une thèse que je soutiens effectivement. Je crois beaucoup en ces rencontres. Je suis contre tous les enfermements possibles et imaginables. Et je trouve que notre monde est un monde de la rencontre, c'est-à-dire c'est un monde où on reconnaît que les cultures humaines sont nombreuses. Les cultures humaines sont plurielles et où on dit qu'il est bon qu'il en soit ainsi, que le pluralisme en lui-même est une valeur. Mais une fois que l'on a dit cela, il faut pouvoir aussi organiser la rencontre entre ces cultures. Soit vous les juxtaposez simplement, vous les posez les unes à côté des autres et vous avez des humanités séparées, ou alors vous estimez qu'il y a quelque chose comme une condition humaine, comme un horizon d'humanité partagée. Et cet horizon d'humanité partagée, qu'est-ce qui va le faire advenir? Eh bien, j'appelle la mutualité, c'est justement cela. Refuser d'être simplement des cultures ou des langages, des langages les uns à côté des autres, mais d'être aussi la visée d'un horizon commun. Et cette visée, dès lors que j'utilise le vocabulaire du langage, je l'appelle traduction. Et c'est une idée que j'ai travaillée à partir de la philosophie de Merleau-Ponty. C'est Merleau-Ponty qui dit que dans notre monde aujourd'hui, on ne peut plus avoir un universel qui tombe d'en haut, l'universel qui serait l'universel européen qu'on essaye d'imposer au reste du monde. Il estime que cet horizon cet universel vertical qui arrive du haut de la civilisation ou de la culture dominante n'a plus cours et qu'il faut chercher un universel de la rencontre, un universel qu'il appelle le latéral ou horizontal, par différence avec l'universel vertical. Et si on regarde les choses, c'est ça le travail que fait la traduction. La traduction, c'est justement ce qui va créer de la relation et de la réciprocité entre des langues qui sont des langues a priori au départ étrangères les unes aux autres. À partir de l'étranger et de l'épreuve de l'étranger, pour citer ici Antoine Berman, le philosophe de la traduction par excellence, faire advenir de la réciprocité et de l'équivalence
C'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense que la mutualité, l'échange, la rencontre, cela s'effectue dans la traduction. Écoutez, je fais partie d'une génération que l'idée d'union africaine, le panafricanisme, les États-Unis d'Afrique, toutes ces expressions nous font rêver. Et je fais partie de ceux qui espèrent voir une unité africaine véritablement en formation, c'est-à-dire inviter des régions dont on peut penser qu'elles représentent des cohérences socio-économiques et culturelles à s'unir entre elles et à plus long terme une intégration continentale réelle. C'est une approche qui me semble une approche réaliste, à la fois réaliste et idéaliste au sens où le rêve est toujours là. Il s'agit toujours de du même rêve d'une union, d'une unité africaine, le rêve de Nkrumah par exemple, mais en même temps c'est une approche réaliste au sens où on dit bon, on va faire que l'Ouest africain soit un ensemble économique, culturel et politique cohérent, qu'il en soit de même pour l'Afrique centrale, qu'il en soit de même pour l'Afrique du Nord, qu'il en soit de même pour l'Afrique australe, que les 5 grandes régions africaines s'intègrent au mieux avec une monnaie commune dans chaque cas, un espace qui soit un vrai espace de développement. Donc ça, il faut, à mon avis, aller dans cette direction. C'est la raison pour laquelle vous avez fait part de mon scepticisme profond lors de cette table ronde, quand quelqu'un, c'était Kadhafi à l'époque, voulait y aller à marche forcée et décréter comme ça que les États-Unis d'Afrique étaient nés, qu'il y aurait un tel serait président. J'imagine qu'il se voyait à la présidence, qu'un tel était le ministre africain des Affaires étrangères. Ça n'est pas la peine d'avoir ces démarches brouillonnes qui donnent l'impression d'un vrai engagement, d'une vraie générosité, alors que ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas être panafricain que de vouloir décréter comme ça d'emblée, ça y est, à partir de lundi, on a les États-Unis d'Afrique. En revanche, travailler patiemment à l'œuvre d'édification d'une Afrique intégrée, et ça, c'est une chose, c'est un travail dans lequel il faut savoir s'engager. Comprendre que l'Afrique, d'ailleurs, est une réalité ouverte et une réalité dynamique. Ça aussi, c'est important. Et de ce point de vue-là, il est important que l'Union africaine ait décidé symboliquement de poser à côté des 5 régions à intégrer, les 5 régions africaines, une 6e région qui est la région de la diaspora. Parce que l'Afrique n'est pas seulement en Afrique. Les Africains, vous l'avez dit, sont des populations qui se sont beaucoup déplacées dans le courant de l'histoire. Beaucoup de populations sont gênées par les frontières des États-nations parce que leurs activités n'ont jamais rencontré ces frontières-là, sont empêchées par ces frontières-là. Faire en sorte que, tout en tenant compte aujourd'hui de la réalité des États-nations, ces populations retrouvent la mobilité qui a toujours été la leur pour mener leurs activités, etc. Ça, c'est une chose tout à fait importante. Mais les Africains ne sont pas seulement en Afrique, au sens où ils se sont également déplacés hors d'Afrique. L'Afrique est aussi hors d'elle-même. Ce sont des migrations forcées, ce ne sont même plus des migrations, c'est l'esclavage, malheureusement. Et aujourd'hui, ce sont aussi beaucoup de migrations qui sont des migrations volontaires. On arrive à un point où la population africaine qui s'est installée en Amérique librement, etc., est en train de devenir peut-être extrêmement importante et d'être une portion absolument considérable de la population noire, par exemple, installée ici en Amérique.
Donc ça aussi, c'est une dimension tout à fait importante, et l'Afrique doit inscrire sa propre dynamique dans ce cosmopolitisme. D'aucuns ont proposé d'appeler ça un afropolitisme à l'intérieur du cosmopolitisme plus global. Je crois qu'effectivement, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Dans cet article-là se trouvait en germe un certain nombre de choses que je vais dire ensuite de manière plus précise et plus large, surtout hors du cadre simplement sénégalais. Et c'est vrai que dans cet article, l'avenir de la tradition, il y avait déjà cette thématique autour de laquelle j'ai beaucoup tourné et je tourne beaucoup, selon laquelle, encore une fois, les choses, c'est de l'avenir que vient le sens de nos actions présentes. Et ça, c'est valable aussi pour le continent au sens large. À l'époque, nous étions un groupe d'amis, de collègues qui travaillions sur la réflexion prospective. C'était une réflexion prospective centrée sur le Sénégal, à l'horizon d'une génération, ça devait être Sénégal 2015. Mais les conclusions qui étaient les nôtres sont effectivement valables pour le continent. Parce que quand vous faites de la prospective, si vous prenez les variables démographiques, évidemment, ces variables démographiques sont là. Vous pouvez être à peu près certain du visage que les sociétés que vous considérez auront une génération plus tard, parce que ceux qui vont faire des enfants sont déjà là. Et donc, parler du phénomène de l'urbanisation aussi, c'était important parce qu'effectivement, une majorité d'Africains vit déjà dans les villes, ça va aller s'accentuant, et nous allons avoir les plus grandes villes en Afrique bientôt, de véritables mégalopoles, les populations qui vont être concentrées dans les villes, qui vont connaître ce que j'appelle les intensifications urbaines, qui sont à la fois, qui posent des problèmes, évidemment, mais qui sont également des foyers de création, de créativité. Il ne faut pas toujours voir le côté sombre des choses. Les réalités ont toujours ces deux faces, la face positive et la face négative. Ce sont donc des choses dont il faut tenir pleinement compte lorsqu'on projette l'Afrique dans un futur qui n'est plus un futur si lointain. Encore une fois, l'urbanisation et le fait que la population africaine est extrêmement jeune, et ça va faire d'ailleurs la différence africaine. À un moment donné, l'essentiel de la jeunesse mondiale va se trouver en Afrique. Avec, encore une fois, les problèmes que ça pose, mais également les avantages que cela peut représenter. D'où vous voyez toujours la nécessité de cette réflexion prospective. Pensez le temps, qui est une de mes obsessions, et pensez le temps futur pour déchiffrer à l'horizon de l'avenir les actions à mener aujourd'hui. Cela nous est imposé, me semble-t-il, par notre condition africaine. Je préfère parler de condition africaine plutôt que notre africanité, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Il ne faut pas parler de manière essentialiste, mais il faut bien, après avoir mesuré et caractérisé ce qu'est notre situation africaine, population extrêmement jeune, population qui est déjà très fortement urbaine et qui va l'être de plus en plus, mais dans des cadres urbains qui ne correspondent pas toujours à l'idée qu'on se fait d'une ville,
souvent les cadres urbains sont plus effet d'une sorte de déruralisation plutôt que d'une véritable urbanisation. Donc toutes ces choses-là sont à penser, toutes ces choses-là mises ensemble définissent ce que j'appelle une condition africaine qu'il s'agit pour nous de penser avec la plus grande exactitude prospective possible afin d'en déduire les actions à mener aujourd'hui. Et ce ne sont pas des villes planifiées. Souvent, vous voyez bien, nos grandes villes sont parfois, apparaissent souvent comme des agglomérations d'installations plutôt anarchiques de population, plutôt que des villes qui grandiraient de manière naturelle et d'une manière qui serait planifiée. Ce qui fait que vous pouvez être en pleine ville, dans une ville, et dans un quartier donné, avoir l'impression que les gens vivent encore une culture rurale à l'intérieur de la ville, qu'ils ont des habitudes qui sont davantage liées à leur vie rurale qu'au nouveau cadre urbain dans lequel ces populations se trouvent, ces gens se trouvent. Et c'est donc, ils se sont déplacés de la campagne plus qu'ils ne sont venus en ville, parce qu'ils ont amené en ville, d'une certaine manière, leurs propres habitudes rurales, leur propre culture rurale, etc. La ville a du mal à les absorber au sens où on appellerait absorption une sorte d'assimilation dans la culture urbaine elle-même. Et ça, ça va être un problème aussi. Si on regarde l'histoire de l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, on se rend compte que le nom lui-même est l'expression d'un compromis. La société civile qui a été porteuse de ce projet depuis toujours, depuis les années 60, le début des indépendances africaines, et c'est surtout des juristes d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Benoît Saliou Ngom, le juriste sénégalais qui a joué un rôle très important dans cette marche africaine vers l'adoption d'une charte des droits de l'homme. On sait que finalement lorsque l'OUA, c'était l'OUA à l'époque, a accepté de mettre en place une commission qui rédigerait une telle charte, cette acceptation a été le fruit d'un compromis entre ceux qui insistaient sur des droits collectifs, les droits du groupe, et ceux qui estimaient que les droits humains étaient toujours portés par des individus, que les droits humains n'avaient véritablement de sens que si c'était les droits des individus. Alors, le premier groupe insistait sur le fait que la philosophie africaine, donc on évoquait la philosophie africaine comme la justification de l'idée selon laquelle les Africains ont une approche plutôt collectiviste, que dans le monde africain, dans les cultures africaines, c'est le groupe qui est important, c'est le groupe qui est porteur de droits, et les individus doivent en quelque sorte servir le groupe et remplir leurs devoirs vis-à-vis de la collectivité, vis-à-vis du groupe, plutôt qu'ils ne vont exiger leurs droits à cette même collectivité ou à ce groupe. Et finalement, pour avancer, pour faire avancer les choses, le compromis a été mis en place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous lisez la charte, vous avez visiblement des articles qui sont des énoncés très clairs de droits individuels, de droits qui sont attachés à l'individu, et vous avez des articles qui insistent sur l'importance du groupe, de la famille, parfois même de l'État, au service de qui l'individu doit être, et vous avez des contradictions possibles, très nombreuses, entre les deux approches et entre les deux philosophies. Et la raison pour laquelle je disais dans l'article auquel vous faites allusion qu'il est regrettable que les philosophes ne se soient pas davantage impliqués
dans la démarche qui a mené à cette adoption, c'est qu'on a invoqué ainsi et évoqué une philosophie africaine au nom de laquelle des approches ont été adoptées, sans que cette notion elle-même de philosophie africaine ait été discutée. Qui a décidé que les Africains étaient pour l'essentiel adeptes d'une approche collectiviste où le groupe était tout, où l'individu était premièrement au service du groupe? Il y a, si on réfléchit à la notion de personne, dans beaucoup de cultures africaines, on se rend compte que l'idée est au contraire que l'individu a à devenir une personne avec le soutien du groupe. Alors, quand vous avez une approche comme celle-là, quelle conception des droits humains va être la traduction de cette approche? Voilà un certain nombre de questions qu'il est toujours temps de poser, parce que cette charte, elle est adoptée, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il existe une charte des droits humains que des associations ou des individus peuvent opposer à leurs États en cas de violation. Mais c'est un travail tout à fait perfectible et qu'il faut, sur lequel, à mon avis, il faut pouvoir revenir pour essayer d'effacer ces contradictions possibles entre une approche groupe des droits humains et une approche individu des droits humains. Oui, je le crois. Et effectivement, il faut passer à ce que mon ami Achille Mbembe en particulier appelle l'écriture africaine de soi. Et la meilleure manière de s'écrire soi-même, d'être l'auteur de son propre récit de soi, évidemment, c'est aussi de faire des langues africaines des langues de la science, des langues de la créativité littéraire, artistique, de manière générale. Nous ne pouvons pas accepter l'idée que nos langues soient confinées à des interactions privées et que pour tout ce qui est sérieux, tout ce qui est découverte, créativité, innovation ou écriture, nous nous en référions systématiquement et toujours à d'autres langues dont je ne dis pas qu'elles nous sont étrangères. Je ne suis pas quelqu'un qui dira que le français est une langue étrangère. Le français est ma langue. Le français est une langue africaine, ça, je le dis et je le soutiens. Mais il est bon que le Wolof aussi devienne une langue de la science, une langue de la créativité. Il est bon que ce soit le cas pour le Haoussa, pour le Mandingue, comme ça l'est d'ailleurs pour le Swahili déjà. Sur ce plan-là d'ailleurs, je pense comme Ngugi wa Thiong'o que ce qu'il appelle the remembering of Africa, en jouant sur les mots, parce qu'en anglais vous avez là un mot, un concept qui est intraduisible en français, parce que remembering c'est à la fois la mémoire, mais c'est aussi remembering, le remembrement. Donc avec un seul mot, vous dites les deux choses, ce qui n'est pas possible en français. Mais il estime que ce remembrement mémoire, si vous voulez, de l'Afrique, passera par le développement des langues africaines. Et sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est ce que dit aussi Kwasi Wiredu. Wiredu dit effectivement qu'il faut que les langues africaines deviennent des langues de la philosophie, que la créativité philosophique africaine se manifeste dans les langues dans lesquelles nous écrivons en général, le français, l'anglais, mais également dans les différentes langues africaines. Et pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que les questions philosophiques et les problèmes philosophiques apparaissent sous une lumière différente selon les langues. Et c'est cela l'intérêt de la traduction. Le philosophe en général, le philosophe africain en particulier, doit être un traducteur. Il doit se situer entre les langues et éclairer les questions philosophiques par leur traduction dans des langues
radicalement différentes. J'appelle des langues radicalement différentes, les langues, par exemple, indo-européennes et les langues africaines, parce qu'il est certain qu'il y a des problèmes de traduction de l'anglais au français ou de l'allemand à l'anglais, mais ce sont des problèmes de nature totalement différente des problèmes de traduction de l'allemand à Lacan ou à la langue Ewe, par exemple. D'accord ? Et donc, on apprend beaucoup des problèmes eux-mêmes, de la nature des problèmes philosophiques que l'on pose lorsque on les traduit dans une langue différente. Voilà déjà un premier intérêt de la traduction. Et le deuxième intérêt, évidemment, c'est de procéder au développement de ces langues parce qu'on ne peut pas simplement confiner des langues qui sont des langues importantes, qui donnent un visage particulier à l'aventure humaine. Chaque langue humaine est un visage de la grande aventure humaine et c'est toujours un désastre si une langue disparaît. Malheureusement, l'expérience nous montre que certaines langues disparaissent. Mais encore une fois, l'essentiel est dans ce travail de traduction, ce travail de va-et-vient entre les langues qui, en soi-même, est un enrichissement considérable pour la réflexion philosophique. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans une langue, de dire je vais travailler dans le cadre de la philosophie Wolof telle qu'elle s'exprime par la langue Wolof, ce serait absurde. Mais faire le va-et-vient entre le Wolof et le français, dans le cas de quelqu'un comme moi qui parle ces deux langues-là, en y ajoutant d'ailleurs l'anglais, la circulation entre ces trois langues-là, est une source de richesse considérable. Songa juwa ujizire na wena ndazi za ugadirisho ima ima yetirie mama yedi toe korini simanale oya toe korini. Aujourd'hui, nous sommes évidemment tous très préoccupés du bruit et de la fureur qui remplissent notre monde aujourd'hui, où effectivement le nom de Dieu est évoqué à propos d'événements d'une violence inouïe, de meurtres et de massacres. Et on a tendance, et c'est probablement normal, l'actualité à se focaliser sur l'actualité et à voir les religions sous l'angle de cette actualité. Une sagesse de l'histoire qui est une sagesse profonde. Il ne faut pas oublier que la religion islamique, puisque par exemple il s'agit d'elle ici, n'est pas née hier, ce n'est pas un phénomène contemporain. C'est une histoire, c'est une longue tradition, c'est une riche tradition intellectuelle, c'est une riche tradition spirituelle. Et donc il est nécessaire plus que jamais, aujourd'hui, dans le bruit et la fureur de l'actualité, où on ne sait plus trop quoi penser, où le premier venu se déclare une espèce de théologien qui aura tout compris et qui exclut tous les autres de la religion et qui excommunie tout le monde au nom de la compréhension qu'il croit avoir de la religion, il est bon de s'arrêter et de se rappeler la richesse d'une histoire et la profondeur d'une histoire. Alors, ceux qui, comme moi, travaillent dans l'histoire de la pensée islamique, dans l'histoire de la philosophie dans le monde de l'islam, estiment qu'il est de notre devoir et de notre responsabilité de rappeler cette tradition intellectuelle, cette tradition spirituelle. Pour donner un exemple très précis, vous avez parlé de Razali. Razali présente deux visages, et je parle de ces deux visages dans mon livre. C'est vrai que quand on voit les attaques que Razali dirige contre la philosophie, on se dit, voilà l'anti-philosophe, celui qui s'est élevé contre le questionnement des philosophes, qui les a traités d'hérétiques, promis à l'enfer. Mais d'autres textes de Razali que j'ai mis en regard de ces textes-là montrent à quel point il est profondément philosophe dans son langage, dans son approche, dans son questionnement, et à quel point c'est un philosophe, non seulement c'est un philosophe, mais c'est un philosophe du pluralisme. Et d'ailleurs, le chapitre, le dernier chapitre de mon livre consacré à Razali,
effectivement se termine sur le Ghazali pluraliste, qui, en même temps qu'il défend une école particulière, qui est l'école sunnite, la théologie acharite, comprend également que la vérité peut être une et être réfractée de manière multiple. Et c'est cela la leçon du pluralisme dont notre monde aujourd'hui a profondément besoin. Et c'est une leçon qui lui viendra d'une compréhension véritable de la profondeur historique des traditions spirituelles.